parce que je n'ai aucune confiance en quoi que ce soit. Mais j'ai de la clarté. Si vous êtes juste confiant, vous allez passer votre vie à faire des gaffes. Vous devez éliminer votre confiance et amener de la clarté. Donc Sadhguru, vous êtes tellement respecté et tellement apprécié. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un complexe de supériorité? Là tout de suite, oui. Voyez, la question ce n'est pas d'avoir un complexe de supériorité, un complexe d'infériorité, un complexe de pauvreté ou un complexe de richesse. Que vous ayez un complexe est un gros problème, n'est-ce pas? Quel qu'il soit. Ce qu'un complexe veut dire, c'est que vous avez supposé quelque chose sur vous-même et vous avez solidifié cette supposition à tel point que vous vous rendez ridicule partout où vous allez. Est-ce ce dont j'ai l'air? Allô? Est-ce que j'ai l'air de me rendre ridicule avec vous? Non. Non. Donc, pas de complexe, d'aucune sorte. D'accord, mais notre confiance fluctue tous les jours, alors qu'avez-vous à dire là-dessus? Comme je n'ai aucune confiance en quoi que ce soit, j'ai juste de la clarté. Les gens croient que j'ai des connaissances. Non, ma tête est vide. C'est pour ça que, pour lui donner l'air un peu plus substantiel, j'ai un turban. Elle est toujours complètement vide. Mais j'ai de la clarté. La clarté, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous voyez les choses telles qu'elles sont. La connaissance, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez des informations fixes sur tout. Si les choses ont changé, vous n'allez pas les voir telles qu'elles sont. Ça revient au même que d'être aveugle. Voyez, les gens croient que les hiboux sont aveugles. Ce n'est pas vrai. Leur vision est bien plus sensible que la vôtre. Mais à cause de la lumière du soleil, ils sont aveuglés, parce que c'est trop. Quand la lumière baisse, il voit très clairement. Pas parce qu'il est aveugle, mais parce que ses yeux sont très sensibles. Donc, il est important que vous apportiez de la clarté à votre vie, pas des connaissances. Parce que les connaissances sont des conclusions que vous accumulez. Les connaissances sont bien quand vous essayez de faire quelque chose de physique, de matériel dans le monde, mais pas pour la vie. Est-il vrai que ce que vous pensiez être absolu à l'âge de 12 ans, aujourd'hui n'est plus vrai? Oui ou non? Êtes-vous sûr que ce que vous pensez être c'est ça en ce moment sera encore c'est ça dans 3 ans? Non, bien sûr. Vous le savez, donc vous savez que vous avez tort. Oui ou non? Oui. Donc vous savez que de toute façon vous avez tort, donc pourquoi défendre des choses fausses? Eh bien, en ce moment, on a tort, au moins gérons-le en étant un peu plus conscient. Si vous savez que vous avez tort, vous allez marcher prudemment, n'est-ce pas? Allô? Mais vous croyez que vous avez absolument raison. Alors vous allez faire des choses stupides et vous allez faire des gaffes dans le monde. Si vous savez que vous ne voyez pas bien, allez-vous marcher prudemment ou pas? Si je vous demandais de marcher dans une pièce sombre, imaginons qu'on éteigne toutes les lumières et qu'on ferme tout, le noir complet. Si je vous demande de marcher, soudain, allez-vous devenir super alerte et conscient de la façon dont vous marchez? Mais quand les lumières sont allumées, vous avancez juste inconsciemment en bousculant tout le monde. Donc, si vous apprenez à marcher à chaque instant comme s'il n'y avait pas de lumière et que vous regardez tout très attentivement, alors, ce que vous voyez clairement, vous le traversez. Ce que vous ne voyez pas clairement, vous hésitez. À certains endroits, vous tentez un peu votre chance. Mais si vous êtes juste confiant, vous allez faire des gaffes toute la vie. On ne sait pas où vous allez atterrir, ni dans quoi vous allez vous coincer. La plupart des gens sont coincés dans leur métier, leur situation familiale, leur situation sociale, à tel point qu'ils sont tous devenus comme ça. Oui, déjà je vois, pas seulement les personnes âgées, les jeunes sont devenus comme ça. Que va-t-il m'arriver à la fin de ma vie? Que va-t-il m'arriver à la fin de ma vie? J'ai déjà révélé le secret, vous allez mourir. Mais Sadhguru, s'il se passe ci, que faire? S'il se passe ça, que faire?
toutes ces choses vont arriver. Ce n'est pas qu'il ne va vous arriver que des choses qui vous plaisent dans votre vie. Il va vous arriver des choses qui ne vous plaisent pas. C'est arrivé un jour. Shankar Pillai s'est fait virer de son travail. Simplement parce qu'il a posé une question. Fumeur ou non-fumeur? Comment peut-on se faire virer pour avoir posé une question si simple? Fumeur ou non-fumeur? Il a demandé et il a été viré. Parce que ce qu'il était censé demander, c'était crémation ou enterrement? Donc, bien des fois, ce que vous faites, en pensant « j'ai raison », peut ne pas être pertinent pour la situation dans laquelle vous existez. Donc l'aspect le plus important de votre vie, c'est que vous soyez pertinent. Pas que vous ayez raison, vous êtes juste pertinent. Par rapport à la situation existante, vous êtes pertinent. « J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison ». C'est ça la confiance. Que vous ayez raison, tout le monde s'en fiche. Tous les idiots qui pensent avoir raison, personne ne veut les écouter, personne ne veut être avec eux, n'est-ce pas? Les gens qui pensent toujours « j'ai raison », vous voulez être avec eux? Non, l'important c'est que vous soyez pertinent par rapport à la situation dans laquelle vous existez. Pour être pertinent dans votre vie, vous devez éliminer votre confiance et amener de la clarté. Pour développer la clarté, il y a de nombreux systèmes. Voyez, pour développer vos muscles, il y a des systèmes, n'est-ce pas? De même, pour développer la clarté, il y a de nombreux systèmes. Malheureusement, notre système éducatif ternit la clarté de très nombreuses façons. Certaines des études menées à l'université montrent que si un enfant va à l'école maternelle et passe par 20 ans d'éducation, je suis désolé de dire ça dans une institution éducative, 20 ans d'éducation et en sort, disons avec un doctorat, ils disent que 70% de son intelligence est irrévocablement détruite. Donc vous avez un idiot savant. Qu'allez-vous faire avec ça? Eh bien, vous pouvez impressionner les gens en balançant des informations. Mais tout ce jeu d'impressionner les gens, de balancer telle information et telle information, tout ça va disparaître parce que cette dame de Google est meilleure que n'importe lequel de ces idiots. Allô? C'est vraiment incroyable. Je pars juste en voyage, n'importe où. Disons que je m'envole pour les États-Unis ou l'Afrique, quelque part. Je demande juste, vous savez, quelle est la température ce matin à Entebbe? C'est là que j'atterris. Sans sourciller, en 2 secondes, elle me dit, il fait 14 degrés et cet après-midi, il fera 18 degrés. Ce soir, il fera 12 degrés. Qui aurait pu dire ça? Allô? Elle n'a peut-être pas parfaitement raison, mais elle y est presque. Donc, les gens qui portent un panier d'informations sur leur tête et se sentent supérieurs, je veux que vous compreniez ceci. Dans ce pays et partout ailleurs dans le monde, pas la génération précédente, mais celle d'avant, quelqu'un qui pouvait lire un livre était considéré comme un dieu parce que tous les autres étaient illettrés. Et les gens prospéraient simplement parce qu'ils pouvaient lire la Gita ou la Bible ou autre chose. Ils prospéraient simplement parce qu'ils savaient lire. Mais une fois que tout le monde sait lire, on ignore complètement ces gens. Oui ou non? Allô? Donc, les gens qui portent des informations et se sentent supérieurs, ils vont tous être réduits à néant dans les 15 à 20 prochaines années. Une fois que l'intelligence artificielle sera omniprésente, l'information ne voudra plus rien dire, parce qu'elle sera disponible partout. D'ici là, vous devez être compétent pour faire quelque chose au-delà de l'information. C'est pour ça que je suis avec vous.